Salutations petit ami YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Teamfight Tactique avec Isni. Coucou Isni! Salut. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu sur la chaîne. Ah oui. Bon, moi je t'ai vu il y a 10 minutes, mais voilà, c'est après. C'est voilà, non mais c'est vrai, ça datait de Heroes of the Bah de Storm. Hearthstone. Ah Bah ouais, c'est non, bah Hearthstone. non, de Hearthstone, On hein. avait plus fait des Heroes of the Storm? Ouais, non, on avait pas fait sur la chaîne. Ouais, Non, bref. Heroes of the Storm, on a tout supprimé. Ouais, parce qu'à la fin, je pense pas que ça aurait intéressé les gens. Et donc, du coup, bah, on va jouer à Teamfight Tactique. Donc, Isni est plus fort que moi à ce jeu, je dis pas. Hein. Moi, je squatte plus Dota Underlord, lui, celui-là. Mais bon, on va voir un peu ce qui se passe. Hein. Déjà, il m'a fait j'ai réinstallé League of Legends. C'est déjà pas mal. Hein. J'ai fait un effort. Comment ça, j'ai déjà testé le jeu? Oui, j'ai testé le jeu aussi, mais bon. Et là, ça va pas être comme Dota Underlord où je vais essayer d'être précis, machin, d'expliquer les choses. Donc là, on va un peu jouer à l'arrache, hein, très clairement. Moi là c'est mode roulette russe. Ah bon? Les tourniquets, je ne pioche pas. Je laisse les joueurs piquer et puis moi je laisse le jeu décider pour moi. Voilà. C'est décidé. Je laisse la chance au jeu. Tu laisses la chance au jeu, ouais. Alors, je sais pas, peut-être pour la première, tu vois, c'est la première, je vais peut-être pas faire ça. Parce que je vais essayer Non, de faire fais quelque pas ça. chose, quand C'est même. dangereux, mais. Ouais, mais bon. Vu que je sais jamais quoi partir. Non, mais on va partir sur une technique russe aussi. Plus c'est lourd, plus c'est costaud. Parce que si c'est lourd, même si ça a plus de balles, ça peut toujours assommer. Tu. Alors, Ichnik est en top. Moi qui suis en l'espèce de zigoui que tout le monde a pris. Alors, j'ai dit que On je peut partais essayer sur de un truc buff lourd. des gens. On peut au moins? Tiens, je vais prendre chaîne. Ouais, c'est Chaîne, cool. ça m'a l'air Non mais, sympa. je suis avec des gens, ils sont pas là. Moi, je vais prendre chaîne, tiens. Je vais partir sur une team ninja. Moi j'ai qui? Ah, j'ai un Blitzcrank. Rigolo. Non, oh, Blitzcrank, il est bien. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux être AFK et ne pas poser mon personnage. Mais bon, on va le poser quand même. Le placement est complètement aléatoire par rapport à DU, mais c'est pas grave. Enfin, du moins, je l'ai pas compris. Alors que sur DU, tu vois, tu peux faire avec les cases et tout, c'est précis. Là, t'as l'impression qu'ils partent à la zeub, les mobs. Ah, j'ai chopé une boîte. Il y avait une pièce d'or dans la boîte. Bon. T'es content, hein? Enfin, j'aurais préféré un item, je te cacherai pas. Bon, ninja, maître des lames. Donc, il faut que je parte sur maître des lames. Ah bah Ok. j'ai une pièce. Parfait. Alors, pistolero, fantôme, maître des lames. On va prendre ça. Puis, il faut de la front lane, donc on prend Garen. Parce que Garen, de toute façon. C'est bien Garen. C'est costaud Garen. Le Garen est solide. Le Garen est pratique. Le Garen. Non, enlève ma gueule. Ah bon. Tiens, on va même prendre ça aussi. Le Garen il Beyblade. Spin to win. Doudoudou. Bon, c'est encore les mobs, hein, on va bien voir. Donc, je pars un peu sur n'importe quoi. Mais bon, il faut des trucs costauds. De toute façon, dans ce jeu, il faut. Ouais, j'ai encore un objet. Il faut avoir des trucs. Oh, deux objets. Un arc et une Mégatron. Qu'est-ce qui irait bien avec l'arc? Ça ferait une lame maudite. Une lame maudite sur chaîne. C'est lame maudite ou canon ultra rapide. Ah. Je vais mettre canon ultra rapide, tiens. C'est peut-être une connerie, mais je me dis que ça peut être drôle. Ah, j'ai plus de sous. Bon, moi j'ai plus de sous. Faut que je mette une troisième personne sur le terrain. Bon, on va mettre toi, ça fera deux chevaliers. Voilà. On va mettre chaîne en arrière parce que c'est un ninja, mais c'est un peu heureux. Non, c'est Z, oui, non. Parce que je vois un ninja dans ma liste, mais. J'ai pas l'habitude de jouer chaîne, moi. Voilà. Bon, c'est des mobs encore. Ça devrait le faire. Oh, encore un objet. Oh, j'ai une baguette trop grosse. Baguette trop grosse et la ceinture, je crois, sur Garen. Vraiment pas de chance. Bon, en même temps, si tu choisis pas tes persos aussi. C'est compliqué au bout d'un Ah, maître moment. des lames. Ah, toi aussi. Ninja, non, c'est toujours Z. Ça fait deux Z qu'on me propose. Métamorphe et néant assassin. Est-ce que j'ai du néant? Est-ce que j'ai du assassin? Non. Ouais, bon, on va rester comme ça, on va faire un peu de l'écho. Non, mais en plus, dans ce jeu, j'ai toujours tendance à trop roll, etc. Alors que je sais qu'il faudrait faire de l'écho. De l'écho!
L'étincelle ionique, c'est de la merde comme objet, donc on va attendre. Je suis contre Twerk God, qui a déjà un niveau 2. Ok. Grave, qui est mort. On enchaîne sur le Brom, qui a de la vitesse d'attaque. Ok, pourquoi pas. Ça devait être son premier perso. Spin to win. Bon, il est mort, mais c'est pas grave. Ah, niveau 2 contre niveau 1. J'ai beau avoir un item, à mon avis, je vais y passer. Voilà. Vous êtes déjà mort, mais vous ne le savez pas encore. Non, mais t'es pas Kenshiro au chêne, hein. Je sais pas pour qui tu te prends, mais. N'insulte pas Kenshiro, quoi. On va faire ça. Faudrait que je passe un level ou alors j'attende deux trucs. En même temps, je viens de dépenser ça, donc on va faire ça. Au moins, j'ai un niveau 2, quoi. Ah merde, j'ai que 2 nobles sur 3. Ah, cool. Pas cool, ça. Pas cool, pas cool. Pas cool, pas cool. Pas cool, pas cool. Pas glop, pas glop, pas glop. Pas glop. Bon, on va voir. Tiens, dans ce genre de jeu, clairement il vaut mieux roll que. Tiens, je suis contre toi. Il vaut mieux roll que. Ah bah. Mon pauvre Shen, il est tombé dans une embuscade, il s'est fait grave, il va se faire violer. C'est mon main DPS. Donc bon. Ouais, j'ai fait un Shen comme j'ai pu. Hein. Mais bon, c'est un gland lui, c'est pas pareil. Aïe 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 aïe, la Fiora qui sert à rien. Comme le dirait Ares, enfin un pote. C'est de la merde, Fiora, faut pas le prendre. Mais bon, je l'ai pas écouté. Ils ont pas écouté, Isni. Bon, bah, Isni qui va me tuer. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh, le Bob Garen qui vient de se faire fister par Blitzcrank. Est-ce que je vais réussir au moins à tuer le loup pour pas prendre trop de points de dégâts? Non. Tant pis. Ok. Bon. C'est pas tout ça, mais. Tu veux une pièce d'or, toi? Tiens, je t'achète. T'es pas cher comme prostituée. T'achètes. Ouais, écoute, tu tueras, hein, voilà quoi. Alors, après c'est le tourniquet, donc c'est bien d'être en bas en fait, de faire une série de lose. Déjà parce que j'ai plus de thunes. Et en plus, comme ça, après je serai premier à choisir au tourniquet. Ouais, j'essaie de dire que c'est stratégique ici, que c'est pas parce que je me suis fait défoncer la gueule. Contre un mec qui a fait tout le random. Voilà. Ouais, alors, ça va toi. Après, si tu veux qu'on compare notre chance, c'est sûr que tu vas gagner. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, alors ça. Moi, je sais. Le mec, il a déjà un Darius niveau 2. Allez, Fiora, t'es niveau 2, bordel, elle fait quelque chose. Bon, elle a fait quelque chose. Maintenant, tu peux mourir. Voilà. Ah, et j'ai gagné à la fin parce que justement, je voulais perdre, donc il faut que je gagne, tu vois. Putain, mais ce jeu, quoi. Je veux perdre, je veux gagner, je perds. Je veux perdre, je gagne. Bon, c'est pas grave, je suis quand même dans les trois derniers à choisir. Alors, donc là ici, il faut plus faire attention aux items que à ce qu'on peut récupérer. La vitesse d'attaque, c'est bien généralement. Une spatule, c'est très bien aussi. Mais bon. Est-ce que je prends une spatule ou est-ce que je prends la vitesse d'attaque? Ah. Ouais, je pense que spatule, c'est bien. Ah bah, il s'est jeté dessus, le mec. Bon, bah, vitesse d'attaque, alors, tiens, on va prendre elle. Kennen, je vais la... Je vais trop vendre de toute façon. Quoique j'aurais peut-être dû prendre la ceinture de vie aussi, qu'est-ce que t'en penses? Mon perso il est où? Ah il est en haut. T'es en haut. Qui je vais avoir du coup? Bah... Fiora ou Lulu. Non non, j'ai oublié Blitzcrank. Ah bon? Bon bah fuck la logique. Tu veux que je te dise? Non mais j'ai... J'ai vraiment pas pris le bon item en fait. Ça parce que j'en ai déjà deux. Yordle chevalier, ça pourrait être sympa de partir en chevalier, non? Il bloque des dégâts. Je sais pas si ça vaut vraiment quelque chose, mais. Bah, en vrai, arriver à 40 points de dégâts, ça va jusqu'au mid game, mais en late game. Ouais. Donc en gros, qu'est-ce que t'appelles le mid game, quoi? Jusqu'au poulet furieux géant. Là. C'est une précision. Tant qu'il y a plus de 4 personnes, ça va encore en liste. D'accord. Ouais, donc en gros, je pourrais essayer de faire. Ouais, mais bon, ouais, trop d'investissement là. Je préfère essayer de choper un noble ou un maître des lames ou un fantôme. Fantôme, j'ai Cartus, mon petit chouchou.
Mais bon, c'est un niveau 5, je crois, donc faudrait que je monte grave en level si je voulais l'avoir. Ce qui est pas gagné. Alors, noble maître des lames Fiora. Bah écoute, on va continuer sur du Fiora. C'est de la prostituée, pas cher. Pas cher, pas cher. Bon, en plus, je dis ça, mais c'est une française, bordel, faudrait que j'arrête. Ah ouais, mais Mais pourquoi bon, pas? est-ce que si c'est une russe qui est venue en France, est-ce que c'est une française ou est-ce que c'est une russe? Ça dépend si elle a du thé. Est-ce qu'elle Pourquoi a du du thé? thé russe? Ouais, bah théoriquement oui, c'est pas une brésilienne. Enfin, un brésilien, enfin un monsieur dame, enfin ce truc là, tu sais, qui. Ces trucs bizarres des fois qu'on voit la nuit quand on sort en ville. Non, ça va, dans ma ville, y'a pas. Y a pas ça toi dans ta ville? Bah Non, elle est écoute. trop petite. Après, je t'avouerai que c'est des trucs qui font peur. Quoique je te dirais bien que là où je suis, il y a plus de vendeurs de shit qu'autre chose, mais bon. Enfin C'est bien bref. ça. Bon, C'est le petit commerce. je suis pas consommateur perso, donc je m'en fous. Ah bah Tant qu'ils après. font pas chier. Non, en fait, dans les vendeurs de shit, c'est pas les vendeurs de shit qui me font chier, c'est les guetteurs, tu vois, avec leur scooter de merde et qui arrêtent pas de passer. Ça me fait chier, ça. Ça, j'avoue, ils me cassent les couilles. Ils font du bruit pour rien, quoi. Ou la pinta, ou une nénette aussi qui est guetteuse pour eux et qui rit, qui a un rire, tu l'entends de l'autre bout C'est moche. de la truc. Ça c'est chiant, ça. Ah, moche, oui, je me demande comment elle va trouver un mec. Bon, je suis sûr qu'il y a des mecs qui aiment ça. Hein. On est passé niveau 5, je vais être obligé de mettre une deuxième Fiora, c'est moche. Y a pas autre chose, c'est mieux quand même, on va roll un coup, Yordle, démon, Yordle, noble pistolero. Ah mais non, mais tiens, on va mettre ça me fera un troisième noble. Il paraît que c'est bien le buff noble. Voilà, et j'ai 30 gold. Pas beaucoup de gold, mais bon. C'est sympa. Fiora qui sert à rien et qui va attaquer toute seule en rocher. Au revoir Fiora, t'as servi à que dalle. Quoi qu'elle le tank en vrai. Hein. Ouais, j'ai eu un truc, une petite caisse. Ah, oh, des pièces, 1, 2, 3, 4 pièces. Non, 5 pièces. Ah, bah je vais réussir à les passer les machins. Ah Ok. bah moi non. Bah peut-être que j'arrête de faire n'importe quoi. Sans besoin de Non, n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui. c'est bien. Bon, j'ai pas eu d'item parce qu'il reste deux golems à 10%. Ouais, moi j'ai eu que des pièces, s'il te plaît. Ah, c'est toujours mieux que rien du tout avec deux golems à 10% et des dégâts. C'est pas faux. Vayne. Vayne, elle est noble rôdeuse. Et toi, tu es noble pistolero. Ouais, bon, bah écoute, on va peut-être changer Vayne alors. Je sais pas si c'est une bonne chose. Il me manque 16 points d'XP. 16 divisé par 4, ça fait 4. 4 fois 5, ça fait 20. Donc ça me ferait dépenser 20 gold. Donc je pourrais le faire. Pour mettre une Vayne en plus. Bon, bah c'est trop tard, je peux plus. Mais allez pas mettre des lames Vayne. Donc. Ah, on a peut-être un souci du coup déjà. On va voir. Ouais, mais ma compo va pas du tout, mec. Le chêne au milieu, je sais pas à quoi il sert. Et il est niveau 1 le chêne, au pire je vais peut-être pouvoir le dégager aussi à un moment. Et il me faudra Ah, un mais autre ça truc pour tanky. récupérer l'item que t'as. Bah oui. Parce qu'avec l'item déjà il tank pas. Du coup vu qu'il reste à une case sans adversaire en plus. Du coup c'est pas vraiment worth. Ah, ouais, attends. Bon. Écoute, dès que je peux avoir un truc pour remplacer, je remplace. Ouais, j'ai 50. On va essayer de se faire un tour d'écho. J'ai quand même 81 PV. Je pense que je peux prendre quelques dégâts, quoi. Maintenant, bah, Shen, il me donne quoi? Mettre des lames 1 aussi. Hein. Tu me diras, j'ai pas le bonus, mais bon. Ça réglerait deux problèmes en même temps. Et Noble, ça me ferait passer à 4. Ouais. Mais bon, ça me ferait deux frontlines. Le problème, c'est que mon Mordo, il est que niveau 1. Donc, c'est pas cool. Hein. Mais bon. Engrangeons des golds pour se prendre des levels. C'est ce qu'il faut. Là, il faudrait que je perde en vrai, parce qu'il y a bientôt le tourniquet. Voilà, la Fiora niveau 2 d'en face, elle m'a démonté. Draven, c'est quand même fort. Ah, c'est même pété, Draven. Hein. Mettre D'ailleurs, je un pourrais énorme partir en de Draven. spike et j'ai mis un Draven. Yo, oh tiens, ça tue tout le monde, c'est rigolo. Bah Draven, je pourrais le prendre, hein. Il me semble c'est maître des lames, non? Ou Oui. pistolero? Non, maître des lames, ouais, bah ouais, du coup il irait bien dans ma compo. Ouais, bah dans la mienne, il va bien. Ouais, bah c'est Draven de toute façon.
Alors, un dragon sorcier, non. Mordo, oui. Vayne, oui. Je suis à 60 gold. Ok, on va augmenter ça. Pour le moment, bah, si on perd encore une fois, c'est pas grave parce que c'est avant le tourniquet. 70 PV, ça va, je peux encore me le permettre. Et pourquoi je veux autant mourir dans le tourniquet au fait? Ah oui, parce que je veux choper une ceinture de géant. Une ceinture de géant pour faire le Morello sur Garen. Ou un Mordor Kaiser si je peux pas, parce que le Mordor Kaiser ça commence à être. Certes, c'est une unité niveau 1 qui ramène pas beaucoup de thunes, mais. Vu que je l'ai que niveau 1 et que je pourrais le passer niveau 2, je pense que ça améliorerait. Putain, Leona aussi, elle est bien forte quand même. Voilà, je vais perdre. Voilà, c'était prévu. Le truc, c'est que si j'arrive à avoir un Mordor Kaiser niveau 2, je peux revendre chaîne. Si je revends chaîne, j'ai l'item pour aller pour taper plus vite. Et il me faudra un Draven. Ah, bah, il y a un Draven. Avec un item de merde, mais il y a un Draven. Bah écoute, s'il est de mon côté, je le prends, et s'il est de ton côté, Non, 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 normalement, je pourrais l'avoir avant. le prends. Bah non, tu vas pas l'avoir, à mon avis. Ah, cours! 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 Tiens, je l'ai eu. Voilà. Moi, frère. Taillé, boude. Après, c'est pas dans ton coin, hein. Ah, tu joues avec ta pelle? Tu t'es pris pour Shoal Knight? Ah non, mais en fait, tu fais une tombe. Je croyais que tu chopais un objet, moi. Mais non, tu chopes une tombe, tu fais une Ouais, tombe. puis je dis au mec d'y aller d'aller dedans. Comment tu fais pour faire ça? Je sais pas, je les ai mis sur 5, 6, 7. C'est pas ça qui. Qu'est-ce qui va bien après un chute, non? Un écho de Luden? Non, je suis pas sûr. Il faudra un truc pour faire plus de dégâts. Noble Veil niveau 2, oui. Ça va pas me faire plus de frontline, mais voilà. Ça pourra toujours un peu tanker, je sais pas. Ah, est-ce que je roll comme un taré pour avoir des meilleurs levels? Ou est-ce que. Ouais, on va roll un peu quand même. Démon, métamorphe, rien. Ah, une glacial rôdeur, est-ce que ça irait dans mon truc? Oui, ça pourrait aller dans mon truc. Est-ce qu'au prochain tour je vais pas avoir un autre Draven? Ah, bah, moi le Draven il m'a pas fait spécialement gagner, tu vois. Je sais pas, moi il a une soif de sang et un. Ouais, d'accord. Soif de sang, c'est comment qu'on l'a fait déjà? Il faut une BF et une cape de résistance de résine magique. D'accord, donc il me manque une BF. Ok, rien à foutre. On va prendre ça au cas où. Puis les derniers, on va le foutre dans les levels parce que. Voilà, au moins pour le prochain tourniquet, je serai bien dans la merde. Je serai bien au fin fond du trou. Au moins comme ça, c'est fait quoi. Il y a un gangplank. Ouais, mais. Je me suis fait démonter. Je suis dans la mauvaise armée. Connasse! Je sais pas qui est-ce qui a dit ça, mais connasse quand même. On va la vendre, comment ça non? Alors, je contre les loups. Il me manque toujours un Mordo. Ça me ruinerait. Toujours. Ah, un Draven, ça c'est cool. Je vais mettre une Fiora frontline, comme ça elle va bien se faire défoncer. Mais le Mordo il survivra plus. Comment ça, il y a une erreur dans ce que je viens de dire? Mais en fait c'est tactique hein. Oh, deux items. Allez, une BF glaive, une BF glaive. Non, j'ai une spatule par contre. Ça fait quoi là comme item? Rédemption, 200 PV en plus? Ouais. Ah mais non, attends, ceinture du géant, hop, plus baguette trop grosse, Morello. S'il vous plaît quand même.
L'âme du roi déchu. Le porteur est un maître des lames. Elle est déjà maître des lames. C'est problématique. Encore un Garen. Ouais, encore un Garen pour le fun. Puis on va Un mettre. mec, il manque un mètre des lames. Alors moi j'espère surtout arrêter de perdre là parce que. Ah bah je suis contre toi. Dommage. Je pense que je vais mourir. Ah, on a un peu la même compo, bizarrement. Et pourtant moi c'est fait à l'arrache. Ouais, bah après. J'espère juste ne pas crever. Bah Voilà. Moi ouais, je manque de frontline évidente. Ah mais j'arrive pas à choper mon Darius niveau 2, et puis moi j'ai pas Swain quoi. J'avoue qu'un niveau ouais. Ouais, 5 ça peut être sympa. tout j'ai 4 impériaux. Et ça fait un bon bonus à 4 impériaux. Tous les dégâts de tous les impériaux. Ah oui. Ah bah oui, sur Draven, oui, ça peut être utile. Effectivement, je Le vois le Lucky de concept. niveau 1, ça va. Je vois le concept. Je vois le Du coup, là, concept. j'ai 4 impériaux, 2 démons et 3 mètres de lame. Va peut-être falloir que je dépense mes golds, moi. Ouais, j'avais acheté ça pour le fun. Ok, du coup, on va mettre une deuxième fure à niveau 2. Est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Lame maudite. Ouais, tiens, on va te mettre lame maudite. Au L'âme maudite pif. sur quelqu'un qui tape vite, c'est oppressant. Bah, je l'ai mis sur Fiora. La dernière fois, j'étais contre un mec qui avait une Tristana qui avait ça. Quand j'ai vu ma Shyvana passer de niveau 3 au niveau 1, j'ai fait ah. Ah. Surtout qu'ils l'ont buff, je crois. Maintenant, tu peux passer étoile 0, c'est ça? Oui. Ouais, j'avoue que là. Bah, ça m'a bien été utile, même si je vais pas gagner, au moins. Aïe, aïe, aïe. Je survis grâce à ça. Bon, j'ai 53 gold, là c'est fini, on arrête les conneries. Va falloir que je dépense. Alors, non, là y a rien. Ah si, Mordor Kaiser. Hop, ça c'est cool. Tac 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 tac, là y a rien. Hop, Yordle, 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 on s'en fout. Mordor Kaiser encore, pourquoi pas. Tiens, il a pas changé le pirate. Niveau 5, ça serait cool, mais un démon élémental, j'en ai rien à foutre. Ça me permettrait d'avoir le bonus pistolero, mais on s'en fout un peu, je crois. Ça, je suis pas contre. Est-ce que mon Draven est passé niveau 2 avant? Non. Ok, bug. J'espère que ça va pas me l'avoir supprimé tout court, sinon je vais être chafouin. Bon bah j'ose de mourir. Bah ouais, j'ai perdu. Non. Bon, bah on va. Je À suis l'instant, 8ème. c'était marrant. Bah, t'as un truc pour regarder si t'as envie. Ouais, c'est ce que je vais Mais faire, je vais regarder oui. ta partie. Bah ouais, attends. Mais ouais non, c'est dommage, j'ai acheté le Draven mais il est pas passé niveau 2 au moment où, voilà. Bah du coup vu qu'on a pratiquement tous les deux les mêmes unités, je pense que tu vas pouvoir te gaver quoi. En théorie. En vrai c'est bien pour toi que je sois mort. Ouais, mais bon. Bref. Faut une BF. Ouais. Why not? Tum, 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 tum. Donc comme je le disais, ici n'est plus fort que moi à jeu, hein. Vous le voyez, vous le constatez. Vous-même. Ouais, mais après, il est bien moins stratégique que Underlord. Bah oui, moi ce qui me plaît c'est la stratégie, j'ai pas de chance. Donc forcément, TFT est moins fait pour moi, mais quelque part je suis sûr qu'il y a quand même des trucs, des strats à faire et des trucs à connaître. Bah Draven, comme je te dis, je l'avais en niveau 2. J'ai failli l'avoir en niveau 2 et du coup comme je suis mort, pourquoi je te vois plus? Faut que tu repliques sur moi. Hop là. Comme je te ouais voilà quoi. Mais bon le chêne j'ai peut-être mis du temps à le vendre. Etc etc. Mais c'est qui le dernier maître? Je vais aller voir. Maître de lame? Ouais. Il manque un maître de lame. Bah écoute je sais pas. Je t'avouerai que. Bah Gangplank il est maître des lames, il me semble. Ouais, je sais, mais je l'ai sur mon terrain. Ah bon, t'as un Gangplank là? Ah, Yasuo! Yasuo merde, il est. Yasuo noob, il est. D'accord. Ouais. Bon bah voilà. Hein. Le pouvoir du Draven. Poum 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 poum.
Pourquoi t'as mis une statique à l'autre? À Draven, pour qu'il tire plus vite? En gros, c'est pour qu'il tire plus vite et comme il a une chance de faire une voire deux attaques supplémentaires, ça doit normalement les prendre en compte et du coup, s'il fait deux attaques supplémentaires puis une, ça comptabilise trois attaques du coup Ouais, donc ça pour fait le lui. 100 en Magic Zone, d'accord. J'y vois, j'y vois. Contre le fantôme de quelqu'un. Ouais, bah écoute, Kangaya des quoi, première. C'est parce que je suis mort. Mais c'est pas mon fantôme, hein. Non. Bah écoute. Alors, à savoir que quand c'est des fantômes, les objets et je sais plus quoi comptent plus. C'est ça, compte pas C'est pour la nuit. les objets et quoi d'autre qui comptent plus? Ben, c'est juste les objets sur la team ennemie. Pour l'instant. D'accord. Non mais je me rappelle plus, pour ça que je Par demande. contre, en ranked, les objets fonctionnent. Ah oui, la ranked. J'ai pas encore mis les pieds pour le moment, mais je suis pas pressé. On va dire ça comme ça. Voilà, Katarina niveau. Katarina, Katarina, bella cici. Ma che. En vrai, si j'arrive à avoir une spatule pour mettre, par exemple, la cata maître de la lame. Bah sur mon cadavre, il y avait une spatule. Et du coup, pourquoi t'as mis le rédemption sur l'autre? Juste pour les 200 PV? Ben, en fait, le truc, c'est que comme Darius auto-heal, ben, je me dis que une fois arrivé en bas, s'il arrive à claquer son ulti, s'auto-heal, et du coup, derrière, plus la rédemption, ça heal les autres. D'accord. Oh là là, les pauvres. J'ai un item. C'est un arc? Moi j'ai pas compris, quand tu fais une défaite maintenant contre les mobs, enfin dans ce jeu, une défaite contre les mobs, ça te casse ta win streak. C'est ça? Non. Non? D'accord. Casse à rien. Je sais pas, comme si t'as mis 5ème victoire quand t'as buté les autres. Ouais, mais en gros, ça te laisse ton truc pour pas faire perdre ta loser strike ou ta strike si tu Putain, perds. y en a un, il a 1, 2, 4, 5, enfin 2. Oh merde, comment elle s'appelle déjà? Des Nidalee, deux Nidalee niveau 2 et deux Nidalee niveau 1. Et il joue avec Gnar, il a Gnar qui est caché dans un coin. Il a deux Gnar. S'il arrive à toper, à mon avis, il peut faire très mal. Compo full à ça. Hop, on revient voir ce qui se passe. Mais C'est pas toi que je regarde, mais c'est pas grave. c'est pour ça que j'ai foutu Gangplank loin, mais il s'est fait stun. Ah, y a ton fantôme qui vient de se faire démonter par nos Force King. Ouais, mais comme ils avaient pas d'objet, même. Ouais, non, mais c'est là qu'on voit la puissance des objets. Hein. Ah, oh. Dommage. Moi je suis bien. Ouais, je regarde un peu tout le monde, mais ouais. Le mec, il a un Draven aussi. Il y en a plein qui sont partis sur. Bon, d'accord, Draven c'est fort, mais au final, il y a beaucoup de gens qui partent sur Draven, quoi. Mais bon. C'est quoi que t'as gardé en réserve? C'est Shen? Pourquoi tu gardes Shen? C'était pour Bah il est m'embêter, maître des c'est ça? lames. Il est maître des lames. Oui. Du coup si j'arrive à avoir une spatule et que j'arrive à passer level 7, ça me fait mes 6 maîtres de lames et. Le bonus maître des lames, je sais plus ce qu'il fait. C'est pour 3, t'as une attaque, t'as 45% de chance de déclencher une attaque supplémentaire, et pour 6, t'as 45% de chance de déclencher deux attaques supplémentaires. Ouais, c'est de la rapidité quoi. Ce qui va bien dans ton combo finalement. Là, c'est lui que je te disais qu'il a des gnards, il a tout ça. Ah Quand il bah, va j'ai pas avoir le les temps trucs pour qu'il ça. faut. Ouais, non, mais là t'as le temps, regarde. Les gnards sur sur sa réserve. Il est en train de tout vendre là. J'ai pas vu s'il avait la Nidalee posée, mais. Twin Good, il est ouf. Ouais, si, il a sa Bah. Nidalee niveau 3. Ouais, en fait, il a eu sa Nidalee niveau 3 quoi. Ok. Après, toi, je sais que t'es un gros fan de Kata. Bon, après, elle est mignonne, hein, mais voilà. Bah en vrai dans une compo sorcier avec le buff sorcier sur elle, c'est complètement débile. Alors, Le traduction du Isnirae. Quand il dit c'est complètement débile, ça veut dire que c'est super fort. perso il cumule sa mana tellement vite et il a 100% de dégâts sur son ult, tu vas quoi. Ah ça Ouais, vient. non, mais. Alors, tu es contre Enjor, Ngogor, ou Kiger.
Oh là là, il a violé ton Darius, il a transformé en 0 étoile. Ouais, pas grave. Ah, il est C'est revenu. le Darius, c'est pas le Draven. Ouais, non mais. Voilà, au J'ai pas dit revoir. qu'il. Non, tu le tues Ah non, pas. un point. Lâche. Il est encore vivant. Il est Mais encore pour vivant. longtemps. Pour l'instant. Oh! Il reste pas grand monde de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour niqué? Donc les. Alors, si je me rappelle bien, c'est les jaunes, c'est les plus chers. Donc si on fait pas gaffe à l'item et qu'on a besoin de gold. Après c'est violet, bleu, vert, gris. Et sinon, surtout, il faut regarder les items. Par contre, il y a une Katarina. Elle est niveau 2 Attends, la il tienne? y a certains Yasuo. Et Mais Yasuo, il il va te le être pas. fallait, mais Yasuo, il va déjà être pris, c'est un plus cher et il a un Mais item. Katarina, j'en ai pas besoin là. Du... Je vais Ouais, dans juste ce prendre du cas-là. drain pour pas que l'autre il l'ait en fait. Voilà. D'accord. Au revoir. Je crois qu'il est déception, l'autre. Parce qu'il a bien foncé dessus. Quoi? Hop là. Allez, va dans la tombe. Il a bien foncé dessus en mode oh putain, je vais la prendre. Et le petit signe, il est arrivé. Hop là. Ah oui, des Draven, t'as réussi à en collecter pas mal. Bon, il t'en manque encore 4, mais voilà. Bah, on va dire que je préfère les avoir plutôt que pour les Oui, oublier. que les autres l'aient, oui, ça c'est sûr. Pour Mais bon. l'instant. Donc là, c'est une compo, tu as dit maître des lames, c'est ça? Impérial avec tout buff et maître des lames x3 et démon x2. C'est cool, quand je fais clic droit sur Impérial, il est marqué vous avez tous les impériaux. C'est cool. Moi j'aurais voulu montrer le bonus, mais bon. C'est pas grave, on en a parlé tout à l'heure. La Katarina d'en face qui vient de se faire démonter. Ah non, c'est la tienne qui s'est fait démonter. Ouais, c'est pas grave. Oui, bon. Les persos en fait sont tous là pour tanker pour le Draven. Voilà. Vous n'êtes là. Ouais, en même temps, c'est League of Draven. C'est C'est ça, à un exactement. moment. Faut se rappeler de ce qu'il dit Draven, quoi. C'est. Pourquoi tu l'as pas revendu du coup? Ah oui, non, non, c'est pas Maître des Lames, cette merde. La Kindred pour récupérer l'item et te faire des golds. Ah, mais je veux juste pas que l'autre le récupère. Ah oui, d'accord, c'est vraiment. En vrai, je devrais le vendre, mais. Ouais, c'est pas combien t'as de gold. Bah, En surtout. fait, j'attends de voir ce que le dragon m'offre, en fait. Vu que si l'item est intéressant pour Draven, je mets sur Draven. Si l'item n'est pas intéressant pour Draven, je vends la Kindred et je lui fais un Phantom Dancer. D'accord. Ou grosse team control en face. Oh là 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 là, le Draven prend cher. Ouais, bon là. Oh, c'est pas grave. Miss Fortune quoi. Oui, certes. Ah, Leona aussi, ça a l'air bien puissant. c'est Tristana qui dit j'ai rejoint la mauvaise armée. Et ça m'offre démon, c'est nul. Ils ont quoi les autres? Putain, un canon ultra rapide fire et puis un truc. Non, mais. Pourquoi j'ai un truc? Ouais, peut-être parce que t'es deux... Ah non, j'allais dire peut-être parce que t'es deuxième, mais le premier a eu le Rapid Fire. Ça, je sais pas ce que c'est, je reconnais pas. Mais les autres en est mort. Ouais, vous êtes plus que 3 déjà. Ouais, du coup, je vais gagner dans. Oh. J'aime Non, bon, on va voir. Hein. Ouais, je... Bah, les des démons, trucs. t'en as de toute façon, non? Ouais, mais bon, c'est nul comparé à ce qu'ils ont. Oui, le Rapid Fire, oui, j'avoue que c'est. Voilà, ils meurent Voilà. tous pour le Draven. Mais c'est League of Draven. En même temps, c'est un ADC, c'est normal. Et t'as eu ton truc démon. Donc ça transforme quelqu'un en démon, c'est ça? Ouais, Paul Darry. Pourquoi pas? De toute façon, tu t'en fous. Tu peux pas revendre l'item, donc. Tu peux même pas désassembler l'item. Mais ça, c'est con. Enfin, un truc que je trouve con, c'est que tu peux pas changer l'item de place à moins de vendre le perso. Ça, franchement, je trouve ça con. C'est vraiment un Ah. truc. Non, on peut même pas le Ah! déjà rien que le désassembler, ça pourrait être. Ah bah oui, parce que des fois tu te trompes ou quoi, surtout au début quoi. Nombre de fois où je me trompe. Non, bah je compte le fantôme. Ouais. Et il avait une sacrée team, n'empêche. Ah, il va être content le. Ah, le Blitz il joue. Il va être content de choper. Le Blitz il avait pas de portée. Ah, il avait un mauvais placement le mec. Oh, League of Draven. Toc. Tum-tum.
Alors, il a des Draven aussi. Il a un Rek'Sai niveau 3 avec un item pourri. Par contre, il a une hache niveau 3 avec lame de Guinzo, épée divin et lame d'infini. Ah mais ça, ça doit faire chier. Par contre, il a mal placé son Blitzcrank, je crois. Bah, Ouais, c'est sûr. sa hache, théoriquement, vu vos placements, sa hache, tu vas la démonter en fait. Je pense. Ah bah, il doit être content, il a grave... Waouh! Ouais, mais bon, le problème c'est que la hache a démonté littéralement la cata. Mais Ouais, bon. mais là... League of Draven. Ouais, Gangplank, ouais, je pense que ouais, quand même. Ah, quoique. Non, mais ça abusait, tu me la ciel. Bien, raté, 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 ouais, c'est bien. Raté, 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 c'est bien, elle rate, hein. C'est cool, hein. Oh putain. Voilà. Est-ce que tu sens les larmes de notre Force King? Est-ce que tu les sens comme il est en train de râler et de dire ah mais c'est cheaté! Fantôme Dancer, c'est OP quoi. Le porteur esquive tous les coups critiques. Bah, je fais que des coups critiques, mec, dommage. C'est moche, c'est très très moche. J'aime beaucoup. Il est en train de replacer toutes ses troupes. Hein. Ouais, pas embêté. Ah, t'as placé ton chêne. Ouais, je l'ai. Bah si je me trompe pas, il faudrait que tu changes ton chêne et ta kata, non? Ah. Pour qu'il grave l'autre. Ou alors ça va se passer où? Ah, ça se passe chez toi là. Ouais, là ça va être dangereux. Bah, il est pas Mais fort le non. chêne, hein. Bah, le problème c'est qu'il y a ta. Comment elle s'appelle? Ta Fiora, la pute pas chère. Elle a rien fait de la game. Non, tu vois, là, son placement. Ouais, tu Oh, vois. c'est le truc. Ah, son placement qui fait tout. Hein. Bon, alors au moins t'as du choix. Est-ce que t'as une spatule? Tu as une spatule. Alors, est-ce que tu vas prendre la spatule ou est-ce que tu vas prendre le Draven? Oh, mais c'est mort. Voilà, il prend le Draven pour te faire Putain, chier. j'ai ma spatule. Et toi, t'as Si ta j'allais de l'autre spatule. côté, il aurait pris la spatule. Je sais très bien comment les joueurs fonctionnent quand ils sont en 1v1. Oui, bah logique. Mais dans l'absolu, de toute façon, tu prenais l'un ou l'autre, ça t'arrange, non? Je Soyons prenais clairs. plus la spatule. Ah bon, bah donc t'as encore eu plus que tu voulais, quoi. Et du coup, tu vas en foutre quoi de ta spatule? Bah en gros là, je vais essayer d'avoir de la chance. Pas gagné. Bah surtout qu'il te reste 25 PV, il en reste 44. Moi, je pense qu'il y a une question de placement. Hein. Parce Ouais. que... Je sais pas, j'aurais mis une chaîne complètement en mode va attaquer le chêne, on s'en bat les couilles. Parce que lui, il met tout dans le bas droite ou au gauche, si encore on voit les choses. Non mais là j'ai mis le Draven assez loin pour qu'il soit tranquille. Ouais, mais le problème, c'est pas le Draven, c'est. C'est que Non mais le. je vais changer de place là. Comment elle Ah! s'appelle? Comment elle s'appelle? Il reste 2 HP au Isni. Ah bah voilà. Je vous Soigne niveau 2, ça c'est cool. Bah c'est un démon d'ailleurs. Mais au niveau compo, vu qu'il est paqué, je sais pas comment tu peux faire. Si tu paquais tout toi au même endroit à part le chêne, comme ça tu sais qu'il grabe le chêne et tu lui rentres dans l'art après sur le reste. Mais bon. Ah, tu veux qu'il grabe le Swain? il gravera pas le son. C'est vrai que je comprends pas ton placement. J'ai. C'est juste pour que le Draven soit tranquille, que le chêne il soit grave. Oui, non, c'est d'accord pour le chêne, mais. Et du coup, mes trucs sont pas packs et peuvent toujours tank pour le Draven. Ouais, le problème c'est que même avec ton Draven cheaté, Non. il a plus de PV quoi. Bah, c'est surtout qu'il a des niveaux 3, moi pas quoi. Bon, mais ça va, bah écoute, on arrête la vidéo là, je vous dis à la prochaine, ça reste quand même une victoire du Isni. Et ma foi, bah abonnez-vous, tout ça, Tipeee.